Je veux pas d'eau. Je vous présente mon café rudimentaire, sans filtre et dégueulasse. Je veux pas d'eau. Je vous présente mon café rudimentaire, sans filtre et dégueulasse. À sonner. Après 20 km parcourus et 3 dénivelés de 4000 miles, on y est! Explique-nous ce qu'on a fait, s'il te plaît. On est là! Je ne sais pas du tout où on est. Je sais pas, la petite dame. Et voici une petite carte reçue d'un gentil couple de hippies. De hippies? Qu'on a croisé. Elle nous avait entouré le chemin. Ouais, c'est genre là. Flûte alors. Et Maeve dans son habitat naturel. Que ressens-tu? Mais comment tu peux pas traverser ce truc pour aller au château? Bah non, c'est pas moi, non. Moi, je voulais juste prendre le chemin normal. C'est Léa qui veut faire encore ses azimuts, là. Azimuts? Et c'est plus facile, non? Azimuts, c'est parti. Voici où nous sommes exactement. Le château. Nous y sommes arrivés, enfin. Léa est à bout. Maeve? Mais il dort un peu pour faire semblant là. Vendée Globe, réponds-nous, Vendée Globe. Il y a des fourmis rouges. Fourmis rouges. Zébardi. Et nous sommes coincés. Comme d'habitude, on m'écoute pas, on m'écoute jamais. Mais il va encore un petit râlement, s'il te plaît. J'ai trop chaud. Voilà, hein. Enlève son t-shirt. Allez, go. Damn. Vas-y, dors, mais dors. Mais il va prendre les choses en main. Tous les nous faire. Tu vas où là? Le château il est derrière nous. On avance parallèlement. Je sais pas si je la suis moi. Attendez. Non, non, je sais pas si je la suis moi. Bah. Oh, tu sais. Mais à part les champs. Vous avez loupé le chemin de merde. Attends, attends, j'ai pas ta tête. Pour me. Il y a une barrière. Et c'est pas parce qu'il y a une barrière qu'on peut pas y aller. Il y a des griffes. Si, mais... C'est une journée perdue que tu disais. On est perdu. On est perdu, mais on est là, quoi. Franchement, les chemins qu'on trace en général, ça varie. Franchement, ils partent tout l'inverse. Non, c'est vraiment pas drôle. Bah moi, en tout cas, je sais ce que je fais, c'est que je vais à l'inverse de ce que Mev elle dit. J'ai vu dans ça depuis longtemps. Allez, mes pas. Yo les potes, alors petit update, nous sommes arrivés à Vienne et après un petit épisode catastrophique, nous avons loué un Airbnb du Turfu. Je vais vous faire une petite présentation de l'appart, ok? La salle de bain. Jolie salle de bain. Après, on arrive à la cuisine avec Léa.
Et c'est que là, avec une jolie table. Et puis nous arrivons dans la première chambre, avec un très beau lustre. Un gros lit. Regarde si tu peux fermer la porte, il y a une vieille soquette. Après, on va aller voir ce que les autres guéguets font. Oh, mais c'est pire. Attends, parce que le pire, c'est qu'il regarde un TEDx. Vas-y, bah, je vais dire ça. Du bist eine Kartoffel. Mais je crois pas qu'ils vont prendre. Il a juste dit date, son pun. Name. Sex. 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 Your name is sex. I'm Léa. And you? Na. Né. Né. C'est quoi ce sac? En rentre sous l'eau. Ah, tous vous êtes là derrière. Ah, oh, bon. Vas-y Léa, je filme tes cheveux. Super. Et Valentine en moi. On aura un beau film là. Alors on a été à l'opéra pendant. C'est très chouette. Franchement, en tant qu'impératrice, j'aime beaucoup. Moi je suis Cécile. Donc là on est dans la loge royale et c'est la forme originale. Et aussi, ils ont utilisé les mêmes couleurs après la reconstruction ou pendant la. Attends.
Aujourd'hui, on est arrivé à Bratislava. Mais arrête, tu vas avec ton doigt.